pas. Arthur ? C'est un de mes patients. Qu'est-ce que tu fais là ? Ça va ? Ça va et vous ? Oula, dis donc, c'est pas joli ça, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je me suis fait renverser par une voiture. Je peux regarder ? Oui. On dirait que tu t'es battu plutôt, non ? Oui, avec mon père. C'est ton père qui t'a percuté en voiture ? Non. D'abord, je me suis fait percuter par une voiture, et après, je me suis fight avec mon père. Laisser tomber, la semaine a été assez compliquée, de toute façon. T'es verso ? Non. Taureau ? Non plus, non. Mon chou ? Ah non, je sais, tu es poisson. Pas de chance, ça. Attends, j'ai forcément quelque chose pour te soigner. En fait, je suis infirmière dans un lycée pas loin et j'arrête pas de leur piquer plein de trucs. Ouais, je sais, je suis en terminale dans ce lycée. Enfin, j'arrête pas de leur piquer plein de trucs, j'exagère un peu, hein, une boîte d'aspirine, de temps en temps, ou deux, mais... Alors, attention, c'est un peu froid, mais ça pique pas, d'accord ? Tu me dis si j'appuie trop fort ou pas. Ça va ? Oui ? Oui, ça va. Dis-moi, Arthur, ça s'est passé comment exactement avec ton père ? T'es pas obligé de me répondre, Arthur, hein, mais... ça t'arrive souvent, ce genre de dispute avec lui ? Bah, vous savez, mon oreille. Ouais. Celle qui est pétée depuis longtemps. C'est lui qui a fait ça ? C'est Arthur, si tu utilises le plat de ta main pour frapper quelqu'un, ça peut être encore plus douloureux qu'un coup de poing. Mon chou, je vois pas tellement le rapport. Moi, je le sais. Parce que ma mère me l'a appris. Enfin, elle me l'a montré, surtout. Et pas mal de fois. Pour que ça rentre, tu vois. Quand tu subis un abus, même de la part de quelqu'un que t'aimes, la seule solution, c'est de partir. Pour plus être sous son influence, tu vois ? T'inquiète pas, on va trouver une solution, hein ? Tu sais où dormir ce soir ? Ouais, c'est bon. Sure.